Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Luigi's Mansion 2, alors qu'on s'était laissé la dernière fois après qu'un ectochien nous ait shippé la clé qu'on avait récupérée après tant d'efforts, souvenez-vous, au niveau de la piscine de la tour ouest. Mais avant du coup de poursuivre notre quête, eh bien nous allons rapidement passer dans la chambre forte, puisque vous me l'avez demandé, je vous en avais parlé la dernière fois il me semble. Oui, c'était bien la dernière fois, hop. Du coup on va y passer rapidement et puis après eh bien, on va essayer de récupérer cette clé qu'on cherche depuis déjà deux épisodes. Oui, c'est bien ça. Ok, alors. La chambre forte abrite les objets et spécimens intéressants que tu rencontres au cours de ton aventure. N'hésite pas à y descendre. Je pense que c'est la seule fois qu'on y descendra, parce qu'après, ce sera pas forcément super intéressant de vous le montrer. Ou alors, on y repassera vraiment à la toute fin. Mais je pense que pour le moment, voilà, une fois suffira. Alors, le conteneur de fantômes. J'ai mis au point cette chambre de confinement pour accueillir tous les fantômes que tu captures. N'hésite pas à consulter mes notes sur chaque espèce. C'est pareil. Bref, du coup, on a le conteneur de fantômes, on a la collection de gemmes, on a les améliorations aussi. Alors ça, par contre, je suis déjà passé dans la chambre forte. J'y suis déjà passé, je sais à peu près comment ça fonctionne. Mais je ne vois pas pourquoi on peut voir les améliorations. Donc on peut voir nos améliorations. En fait, ce qui est intéressant, c'est oui, c'est de voir en fait combien de gains. C'est vrai qu'on m'a indiqué que le G correspondait à gains. Du coup, on va dire pièces. Hein, je trouve ça un petit peu plus joli. Donc le nombre de pièces qu'il nous manque pour obtenir la prochaine amélioration, qui est du coup l'avant-dernière, à ce qu'on m'a dit. Et on m'avait également dit que la dernière coûtait extrêmement cher. Donc je pense que j'irai farmer les pièces et l'argent le moment venu. Alors, du coup, on a la collection de gemmes. Et donc on peut voir quand même que... Sans avoir tenté d'en récupérer plus que ça, parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'en ai pas récupéré en off, je trouve que dans le premier manoir, on avait plutôt pas mal avancé. Ouais, il en manque combien? Il en manque 5, c'est vraiment pas grand-chose. Et ici, on a un peu moins avancé, il en manque beaucoup plus. Alors d'ailleurs, on m'a indiqué l'emplacement de plusieurs gemmes, notamment deux, je crois, que j'ai loupé la dernière fois. Oui, la dernière fois, j'en ai loupé deux. Donc je pense que je passerai les récupérer un peu plus tard, et puis après bah, on aura les autres manoirs. Hop là, je vous le rappelle quand même, hein, le but n'est pas d'obtenir toutes les gemmes, donc plus j'en ai mieux c'est. Après bon voilà, si j'en loupe, hein, encore une fois, je sais, je ne fais que de le lire, mais c'est clairement pas grave. Et donc ce qui nous intéresse, c'est le conteneur de fantômes. Donc on a le choix entre la vallée des ombres et la tour hantée. Alors je n'y suis pas encore allé, c'est le mode multijoueur. Je vous ferai peut-être une vidéo bonus. Je vous avais parlé de faire des lives, alors c'est possible aussi, mais peut-être une vidéo bonus, ça pourrait être bien. Aussi peut-être à la fin du let's play. Alors, et on peut voir donc tous les fantômes qu'on a déjà capturés avec leur nom. Donc on a le Sacripon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? D'un naturel résolument curieux, le Sacripon adore jouer avec tous les objets du quotidien. D'ailleurs, est-ce que tu as vu ma montre? Et où sont encore passées mes lunettes? D'accord. On a donc les gros bras qu'on connaît bien. Le gros bras a beau passer du temps à essayer de... Non, a beau passer son temps à essayer de t'assommer, c'est loin d'être une brute sans cœur. En temps normal, c'est un fantôme serviable et généreux. En plus, il sait faire le café. Très bien. On a les cache-cacheurs. Oui, le cache-cacheur adore jouer à cache-cache. Cependant, si on ne le trouve pas assez vite, il s'énerve et commence à jeter des objets. Réaction somme toute naturelle. Oui, bah oui, bien sûr, tout le monde fait ça, je pense. Alors, un nouveau fantôme qu'on a découvert la dernière fois, le qui fait peur, qui a vraiment, vraiment la classe. Si le qui fait peur aime tant faire des farces, c'est qu'il est trop timide pour aborder les gens autrement. Dommage que ses blagues soient toujours d'un goût douteux. Alors c'est Catastrophe qui doit écrire ses notes, hein, et ça m'étonne que ce soit lui qui dise ça. Alors, le pot de colle. En temps normal, le pot de colle est un fantôme très câlin. Maintenant, il est toujours aussi attachant, mais ce n'est pas forcément une bonne chose pour ceux qui s'en approchent. D'accord. Bon, je vais pas lire le résumé de tous les fantômes parce qu'on va en avoir pour un petit moment, mais voilà, on a donc Lucie, Mathilde et Marguerite, souvenez-vous, l'espèce de boss qu'on a affronté, les trois sœurs, les Cerberus, les Gobeurs, toujours aussi moches, et on peut voir qu'il en manque pas mal. Ah, ici, le mange-esprit arachnéen, très bien, et le pactole. Très bien, il y a beaucoup de fantômes finalement, c'est plutôt cool, mais du coup, je pense qu'ici, il y aura les boss. Ici, c'est un boss. Ouais, mais... Bah oui, 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 il y en a 5. Ça me semblerait logique. On verra bien, de toute façon. Mais sinon, il y a beaucoup de fantômes, et ça, c'est plutôt cool. Et sinon, bien sûr, on peut les voir, comme ceci. Oui, on peut faire le tour. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. De toute façon, dans les jeux, j'aime bien lorsqu'on peut aller voir un petit peu les modèles 3D des ennemis, des figurines et tout ce genre de choses, j'aime bien. Ça fait collection et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a la classe? Bon, il fait des choses bizarres avec les mains, certes, mais... mais je l'aime bien, il a la classe. Bon, et sinon, on a quoi? On a ça, qui est moche. Ah oui, toi, t'es clairement moche.
Ok, et dernière chose qu'on peut trouver dans la chambre forte, c'est la boîte à bouts. On va regarder ça rapidement. Alors ce qui est dommage, voilà, c'est qu'on peut voir tous les bouts comme ceci, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Le seul problème, c'est que du coup, on ne peut pas avoir leur nom. À moins que... ouais, non, 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 on ne peut pas. Enfin, voilà. Voilà ce qu'on peut trouver du coup dans la chambre forte. Et du coup, bah après ces quelques minutes perdues dans cette chambre forte, eh bien, on va reprendre l'aventure. Alors, je sais pas si la mission va durer très longtemps. Il va falloir, je pense, qu'on retrouve le chien et la clé. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Alors, Luigi, où veux-tu aller? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas lu cette phrase. Du coup, on retourne dans la quête de la lune noire, dans les tours des détours, et on est parti pour la clé du mystère. Ah, Luigi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que je sais où se trouve l'ectochien qui a volé la protoclé. Il est toujours quelque part dans le domaine des tours des détours. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il passe son temps à changer de pièce. Je n'arrive pas à le localiser plus précisément. Cela dit, l'occultographe a détecté des traces paranormales qui pourraient nous être utiles. Il semble que l'ectochien laisse derrière lui des empreintes spectrales. Nous pouvons les utiliser pour remonter sa piste et partir à partir de la cour. Logiquement, si nous suivons les empreintes, nous finirons bien par tomber sur l'ectochien. Au fait, ces empreintes sont invisibles à l'œil nu. Tu devrais utiliser le révéloscope pour les faire apparaître. Tu es prêt, Luigi? Et je te préviens, ne t'avise pas de revenir ici sans la protoclé. Haha, je plaisante, mon garçon, tu aurais vu ta tête. Très bien, alors on me l'avait dit, dans cette mission, il va falloir que je me serve énormément du révéloscope, et on m'a également indiqué comment me rendre dans la fameuse pièce où la dernière fois il y avait l'espèce de vortan, l'espèce de plante carnivore. En fait, ça ne montre qu'une seule chose, c'est que je suis complètement aveugle, mais complètement. On est passé à côté de la porte, je crois 3 fois, peut-être même 4 fois, et j'avais toujours pas tilté qu'elle était là. C'est une porte à révéler avec le révéloscope, mais en fait il y a un tapis au sol sur la tour ouest. Du coup on va peut-être y passer. Oh, on a vu le chien. Bah... Bon d'accord, aujourd'hui vous ne voulez pas marcher, ok. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh! Hop là, voilà, un lingot d'or, très bien. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. On va regarder. J'aime bien ce vieux bruitage parce que, clairement, on tape dans un arbre en carton, là. Je pense que c'est voulu de la part des... Enfin oui, c'est voulu de toute manière de la part des développeurs. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On peut rentrer directement? Ah oui. Bonjour le manoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, il est mignon le chien-chien. Ouais, non, par contre, s'il te plaît. Ok. Faudrait qu'on m'explique. Qu'on m'explique comment un fantôme peut manger une clé. C'est pas possible. Bref. Bref. On va... Ah bah, on pourra pas y aller aujourd'hui. Bon. Je comptais aller dans la salle avec l'espèce de revortante, mais... De toute façon, la salle change selon la mission, donc peut-être qu'il faut y aller lors d'une mission précise, de toute façon. Ici, on a ça, mais apparemment, il n'y aura pas de revortante. Enfin, je l'appelle revortante maintenant, mais vous me comprenez. Alors, révéloscope. Ah oui, effectivement, on peut voir les traces de pas qui sont par terre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à révéler? On va regarder, écoutez. Ah. Vous, là. Toi, eh oh. Non mais... Hop là, voilà, merci. On révèle ça pour l'aspirer, très bien. Oh, des lingots d'or, c'est cool, ça. Du coup, il devrait y en avoir ici, aussi. Ah non, même pas. Ah. Non, non, ça, ça nous montre juste que l'ectochien est passé par ici. Je sais pas pourquoi il y a un saut. Enfin bon. Ah, peut-être que... Hop. Bien. À quoi ça sert? Attendez. Ok. À quoi ça sert? Oh! Très bien. Alors, Luigi, retourne-toi. Hop!
D'accord. Mais sinon... alors là, je ne comprends pas. Attendez, s'il y en a peut-être un de l'autre côté. C'est pas très utile, je pense, de faire ça. Peut-être qu'on va obtenir une gemme, remarque. Donc ça pourrait être bien. Alors, là, on repose ça ici. À quoi ça sert d'avoir deux interrupteurs, en fait ? Hop. Ah ! Hop là, allez. Mais... non, tire ça. Voilà. Alors, on perd un petit peu de temps, mais bon, c'est pas très grave. Si on peut obtenir une gemme, je ne dis pas non. Hop. Alors. Tac, toi, tu réapparais. Et bim ! Ok, tout ça pour de l'argent. Bon. C'est très bien. Comme ça, on va se rapprocher de plus en plus de, de l'avant-dernière amélioration. Alors, je vais sûrement avoir tendance à l'appeler dernière, parce que, à ce que j'ai compris, la toute dernière est vraiment bonus. Vraiment bonus, mais aussi vraiment très très utile, à ce qu'on m'a dit. Le chien passé par là. Il est là-dedans. Ah, non, bon. Très bien. Les traces de pattes, elles s'arrêtent là. Ok. Il est de l'autre côté. Très bien. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Quelque chose me dit qu'on va devoir revisiter tout le manoir. Un peu comme, comme le manoir du désespoir avec l'étoile d'araignée. Ça me fait penser à ça. Hop, c'est pas vraiment le genre de mission que j'adore. Mais... bon. C'est pas ce qu'il y a de pire non plus. On va faire apparaître les pièces. Ah ouais, il y en a beaucoup en fait. Bon, quoique, 20. Ouais, c'est pas trop mal. Salle des outils. Ok, ça sent les fantômes déjà. Ah, et l'ectochien a l'air d'être par ici. Où es-tu ? Ah ! Je l'adore. Dommage qu'il soit aussi embêtant. Ok, y a pas quelque chose à révéler ici ? Alors, on m'a vraiment dit de... faire bien attention avec le révéloscope, parce que c'est vrai que je fais que de le dire, hein, de devoir l'utiliser sans cesse, et le truc c'est que je le fais pas. Hein. Et on me le dit, mais... c'est vrai que j'ai vraiment du mal à m'y faire. Y a vraiment rien à révéler ici ? Il y a des empreintes. Ici, il y a le chien. Non. Bon bah écoutez, on va le poursuivre. On a déjà perdu un petit peu de temps. Pour le bout, on verra si on le trouve sur la route. Oula, qu'est-ce que c'est? Ok. Oh, salut. Et attention à ce que tu fais, toi. De l'argent, je veux. Hop, 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 hop. Allez, on ramasse. Ouais, du coup, je pense qu'il va bel et bien falloir refaire le tour du manoir. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Un nonos. Très bien. Ce serait assez drôle d'ailleurs de mourir et que le chien vienne nous ranimer alors qu'on est en train de le pourchasser. Il me faudrait de l'eau. On peut pas aspirer... non, on peut pas aspirer l'arrosoir. Très bien. Bon. Allez, on fouille un petit peu quand même. Il devrait y avoir un seau par ici. Ouais. C'est vrai que des fois, je passe à côté des seaux. Encore la dernière fois, j'ai failli le louper. Bon. C'est pas grave. C'est peut-être pour une autre mission. Hop. Pour le moment, on va se contenter de... oh, salut les gars! Alors eux, on m'a dit c'était quoi leur particularité. En fait, l'un se place devant nous pendant que l'autre... hop là! Se place derrière pour nous effrayer. Voilà ce qu'ils font en fait. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'ils nous attaquent. Hop, ouais, vous voyez, ils nous font simplement peur. Hop. Et profitons un petit peu de notre dernière amélioration qui nous rapporte beaucoup de lingots du coup. En plus d'être plus oh là, en plus d'être plus efficace, voilà, je vais y arriver. Ça nous rapporte plus d'argent et ça c'est cool. Oh.
Ok. Très bien. Il se passe des choses par ici. Alors par contre, faut que j'arrête de rentrer dans ces trucs. Dans ces nébulosphères. Ok. Alors si mes souvenirs sont bons, le bout devrait se trouver dans cette salle. Hop. Encore une fois, je vous rappelle que je m'étais un petit peu renseigné. Alors je me suis renseigné qu'une fois. Et du coup, certains emplacements me reviennent de temps en temps. C'est vrai que j'en avais oublié. Et puis voilà. Bon, comme ça, au moins, on en est sûr. Le bout est ici, juste devant nous. Waouh, moi, c'est la Bourrador. D'accord. Et c'est pas demain la veille que tu me tiendras en laisse. Labrador, ah oui. Il fallait le trouver, d'accord. Ok, c'est pas demain. Non, c'est aujourd'hui. Hop, 25 points de vie, toujours. Oula, toi, tu vas avoir mal. Tu vas avoir mal. Quoique. Oh. Hop là, t'y as cru. Mais en fait, les bouts sont tellement faciles à capturer dans cet opus. Ah oui, mais clairement. Hop, allez, on récupère. Bien, ça nous en fait un de plus. Ils sont tellement simples à récupérer, quoi. Mais bon, c'est drôle. C'est drôle, donc c'est cool. C'est vrai que dans Luigi's Mansion 1, c'était un peu mal foutu pour récupérer les bouts. Allez, du coup, on passe par le passage secret. Alors, on m'a également dit que les passages secrets que j'avais déjà empruntés apparaissaient sur la carte sous forme de flèche. Alors, j'ai pas eu cette impression. Enfin bon. T'es sérieux, toi? Lâche-moi! Non, mais lâche-moi, je sais pas. Ok, on m'avait dit que maintenant, les petits, j'avais juste à les... Ouais, d'accord, ok. On m'avait dit que j'avais pas besoin de les flasher, mais visiblement, si. Hop, il va se passer quelque chose. Ah non, même pas. Ouais, bien, on continue. Ici, c'est une fausse porte. Bah ouais, c'est une fausse porte. Là, c'est bon. Ok. Alors, par contre, je me rends compte que j'utilise pas tant que ça le révéloscope, alors qu'il faut que je l'utilise. Hop, on va l'utiliser un petit peu. Ok. C'est vrai que si on pouvait avoir une gemme, ce serait bien. Ah, de la vie, je dis pas non. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Un peu d'argent. Et il va falloir repasser par ici? Ouais, ça me semble... Ah non, 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 j'avais pas vu, mais l'escalier est bien là. C'est moi ou ça ressemble à une porte, ça? Ouais, non. Hop, allez, on monte. Bonjour la chambre des cultures. Ah, attendez, on m'avait dit que j'avais loupé un truc. Hop, on redescend. On est où là? Labo de botanique. On m'avait dit que j'avais loupé une gemme ici. Je crois que c'est ici. On m'avait dit que si je mettais de l'eau... Ah mais du coup, je vais peut-être pas pouvoir en fait. Ouais, je vais pas pouvoir. Mince. À moins que, attendez. On va tenter un truc. Ça m'étonnerait que ça marche. Oh yes, cool. On m'avait dit, il me semble que si j'arrose la plante là-bas, j'obtiendrai une gemme. Hop. Bien. Une nouvelle gemme, parfait. Bon ça va, finalement on progresse plutôt pas mal au niveau des gemmes, je crois qu'on en a la moitié pour ce manoir. Hop. Allez. On continue de monter, je crois qu'il ne me manque pas de gemmes, en tout cas on ne m'en a pas indiqué. Dans cette partie-là du manoir, il faudra retourner dans l'aile ouest. L'ectochien est là-bas. Je pense pas qu'on va s'arrêter tout de suite. Enfin, on va s'arrêter tout de suite. Qu'on va le capturer tout de suite. C'est bien l'ectochien? Ah non, c'est juste la souris qui a une gemme. Qu'on a déjà récupérée. Que je me rappelle, à partir d'ici, il faut aller où? Ah oui, non, il faut passer par la porte qui se trouve à droite. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans cette partie du manoir, mine de rien. Enfin, longtemps. Pas tant que ça, mais... Oh, t'es sérieux? Bon, bah, il est de retour ici. C'est vrai qu'à la base, on n'est pas censé le suivre, on est censé suivre les traces. Du coup, il a
pu changer de... Ah bah oui. J'ai l'impression qu'il a juste changé de zone, et ça c'est pas cool. Parce que je pense pas que je vais pouvoir y aller par ici. Quoique, on va quand même vérifier, mais j'ai des doutes. Oh, un pactole! Je veux... Non, non. Hop, allez, viens par ici. What? Qu'est-ce que... Non mais... Hop, j'ai des problèmes avec Luigi aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Ah, la chauve-souris dégage. Bah oui. Mais oh, dégage. Voilà. Je la voyais pas. Clairement, je la voyais pas. Hop, bien. Bon, c'est dommage, on a tout loupé. Bon, c'est pas grave. Ça fait un peu d'argent de perdu, mais bon, alors qu'en plus, on aurait pu en obtenir vraiment beaucoup. Vraiment. Hop. Alors. Il doit pas être par ici. Oh. Ah bah si, il est venu par ici. Ok. Oh, j'avais même pas vu que le piano n'était plus là. Alors, on m'a également dit que... Ok, j'y arrive clairement pas aujourd'hui. On m'avait dit que les salles à pièces rouges nous offraient toujours des récompenses différentes. Du coup, la prochaine fois qu'on en croise une, j'essaierai de ne pas la louper. Voilà, je sais pas si ça sert à quelque chose de faire ça. Salut le chien! On peut te capturer? Non? Oh! Oh, salut toi! Alors, je crois qu'on m'avait dit de me laisser capturer. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Où est-ce qu'il va être parti, le chien? Bon, je pense qu'il est en haut. On va aller voir. Hop! On va vérifier aussi sur la droite si la salle est toujours là. La salle à pièces rouges. Non, elle n'est plus là. À moins que... Bon, on va vérifier, hein. Non. Tant pis. Hop. Allez. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'on fait là, c'est voyager de tour en tour. Là, on va du coup atterrir bientôt dans la tour ouest. Et quelque chose me dit qu'on capturera le chien dans la cour, là où tout a commencé. Je vois ça comme ça, moi. Ah mince, ça me sert à rien de venir ici. Bon. Hop là, on redescend. Alors, je suis désolé si j'articule pas très bien et si je peux pas être un tout petit peu fatigué, c'est que je suis malade, voilà, une fois de plus. Vous commencez à être habitué. Hop, toujours malade. C'est pas sérieux. Alors, bonjour les corbeaux. Est-ce que le chien est passé par ici? Je vois pas ses traces, quoi. Ah, mais c'est vraiment un nid, en fait. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un nid. Il est assez grand. Est-ce que le chien est vraiment passé par là? Parce que je l'ai pas vu. Enfin, on voit pas ses traces. Hop là, on va voir ça. Le chien, où es-tu? J'ai l'impression qu'il a juste disparu en fait. S'il est redescendu, je vais pas apprécier. Hop. Le chien, où es-tu? C'est tonton Luigi qui parle. Non. Bon. Où est-ce qu'il est? C'est moi où les traces ont disparu. Ou alors il faut aller ici. Hop là, voilà. Ok, il fallait tout simplement faire ça. Très bien, bon. Hop. Voilà, venez par ici. Ah. Ah, on peut aller derrière. Ok. Ça ne sert à rien, mais très bien. Il y avait peut-être de l'argent, du coup, lors d'une mission. C'est possible. Waouh. Ok, j'ai clairement du mal aujourd'hui. Hop. Là. Hop. J'ai l'impression que le jaune ne peut pas m'avoir, je suis un peu trop loin. Qu'est-ce qu'il vient de manger? On va essayer de... Hop. Ok, on lui a fait bien mal. Ah ouais. Bah ouais, mince. Ah, oh, c'est dommage.
J'ai pas eu le choix parce qu'en fait, soit il me tirait dessus, soit je marchais sur sa flaque. En fait, j'aurais dû appuyer sur A, mais j'ai été un peu trop gourmand, c'est dommage. On est passé à côté d'un peu d'argent. Enfin bon, ça va, je l'ai bien géré, je trouve. Tant qu'il n'y en a qu'un, ça va, clairement. L'Ectoblast 5000 est clairement en mesure de faire face à ce genre de fantôme. C'est plutôt cool. Hop, allez. On continue de poursuivre le chien. Là, je pense qu'il va descendre. Oh, attendez. S'il n'est pas descendu, il est par ici. Ouais, bah il est ici. Alors tu m'excuseras le chien, il est dans les toilettes, mais... Hop là, on m'a dit qu'il y avait une gemme ici. Bien! Et bah voilà, ça avance. Ça avance. Il en manque 6, je crois. Salut le chien! J'adore. Dommage qu'il soit aussi embêtant, mais j'aime bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici? Non, il n'y a rien. Et en fait, si ça continue, je vais pouvoir revisiter toutes les zones que j'avais loupées. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va descendre. Et si c'est le cas, je vais pouvoir aller dans la fameuse salle. Salut les enfants. Hop. Les enfants, je sais pas pourquoi, mais les enfants, voilà. Je pense que le fantôme est passé par là, du coup. Et en fait, ça commence à confirmer ce que je disais. Non, vous êtes moche. Ah. Oui, non, il vient de là, ok. Ici, je pense qu'il n'y a rien. Oh! Cool! Encore une fois, on a beaucoup d'argent, hein. Vraiment beaucoup. C'est vraiment cool. On en a un peu plus de 750, je crois, maintenant. On va bien voir. Oh! Ok, un peu moins de 750. Alors... Ici, le coffre. Mais faut que j'arrête de rentrer dans les nébulosphères, quoi. C'est plus possible. Ok, la gemme qu'on avait déjà obtenue. Ah! D'accord, je vais pas pouvoir aller plus loin. Mince. Bon, du coup, je pense qu'on va devoir bientôt capturer le chien. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais alors, il est où? Attendez, j'ai dû aller un peu vite en fait, il doit être en haut. J'étais un petit peu vite parce que j'aime pas le fantôme violet. J'aime pas le fait de devoir perdre de la vie pour ensuite pouvoir le capturer. Mais je pense que ça va faire réapparaître le chien. Ah, quoique. Ouais, ouais, en fait il va falloir vider la salle encore. Salut! Allez, fais-toi plaisir, enlève-moi de la vie. Bon, il enlève pas grand-chose, ça va. Hop, alors, on récupère ça. On récupère ça. Et le chien doit pas être loin. Ah, le voilà. Salut. Hop. Ok, c'est bon. On va devoir le capturer ici. Pourquoi il est jaune? Hop là. Oh, la violence du truc. Oh, la violence. Oh non, j'ai loupé un lingot. Non. Allez, on récupère. Waouh. Ah ouais, c'était clairement violent là pour le coup. Bon, eh bien écoutez, on a récupéré la clé, enfin. Catastrophe va nous parler. Bonjour. Première fois qu'il nous appelle dans cet épisode, je crois. C'est pas mal, il y a du progrès. Hourra, tu as enfin réussi à mettre la main sur la porte-clé. Rattraper cet ecto-chien n'aura pas été de tout repos. Mais tu en es très bien sorti, mon cher Luigi. Tu sais, je pense que notre ami à quatre pattes avait juste envie de jouer. Il devrait se plaire dans la chambre forte. Je suis sûr qu'il s'y fera un tas d'amis. Bien, il est temps pour toi de rentrer, je lance le processus. Ok, eh bien je ne pense pas que l'on va affronter le boss dans cet épisode. Quoique. Quoique. En fait, j'hésite. Je me dis que ça peut être très long. On m'a dit que le boss serait très 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 long. Du coup, j'hésite. Non, écoutez. Pour une fois qu'on a une durée d'épisode à peu près standard... Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis on fera le boss la prochaine fois. On a un grade 2 étoiles, mine de rien, on a récupéré un bout et deux gemmes. C'est plutôt cool. Et il nous manque 6 gemmes, du coup. Ça va, on n'est pas très loin du précédent manoir par rapport au nombre. Ça va. Je trouve qu'on a plutôt bien progressé, et en termes d'argent, on est pas mal du tout. Pas mal du tout. Du coup, je pense que la prochaine fois, on aura une nouvelle amélioration, qui sera apparemment alors le révéloscope. Ah bah quoique non, si on fait un boss, ça va être difficile de gagner beaucoup d'argent.
Non, bon, écoutez, la prochaine fois on fera le boss et je pense que... Enfin, j'espère que ça va bien se passer parce que oui, on m'a dit que ça allait être très dur, on m'a dit que j'allais regretter aussi le fait d'avoir demandé des escaliers pour le premier boss au lieu de l'ascenseur, souvenez-vous. J'ai un peu peur. Content de te revoir, Luigi. Il est temps d'envoyer cet ecto-chien dans la chambre forte. Très bien. Très bien, très bien. J'ai l'impression qu'il me parle de moins en moins, le cher catastrophe. Il n'aime plus parler. Voilà, des nouvelles gemmes, un nouveau bout. Près de 1000 pièces. C'est plutôt cool. Voilà, comme ça au moins on avance très très vite. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la clé. Je l'avais oublié. Ah non, c'est le chien. Bon, d'accord. Et... Très bien, il est reparti. Bon. Nom d'un globule, comment a-t-il pu s'échapper de l'Ectoblast 5000? Bien parce que l'Ectoblast 5000 n'est pas fait pour absorber les chiens. Et oui, il va falloir que j'augmente le niveau de sécurité de l'unité de confinement. Mais cela peut attendre. Pour le moment, montre-moi plutôt cette fameuse proto-clé. Elle est vraiment bizarre comme clé. Burk, elle est toute mordillée et pleine de baffes. Mais c'est pas normal, c'est pas possible. Je vais demander à mon assistode de la nettoyer avant de travailler dessus. Alors oui, on m'a dit d'ailleurs que je rencontrerai beaucoup d'assistodes, pas qu'un seul. On peut dire que tu as récupéré, que tu l'as récupéré au bon moment, mon garçon. Il se trouve que je viens de finir mon analyse d'un fragment de la lune noire que nous possédons. Des fragments de la lune noire que nous possédons. Leur composition spectrogénique est tout bonnement fascinante. Très bien, je n'arrive plus à lire. Je vais essayer de t'expliquer les résultats en termes que tu pourras comprendre. Alors voilà, je suis allé voir les fragments de la lune noire, tout va bien jusqu'ici, parfait. Donc je suis allé les voir et leur ai demandé où se cachaient leurs petits cap... D'accord, tu... si tu veux. Ainsi, j'ai pu entrer de nouvelles données dans le cultogratte et localiser le fragment. Très bien, alors notre cher professeur Catastrophe parle à des fragments de lune. Très bien. Alors, ciment vu. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons enfin la protoclé, il ne reste plus qu'à grimper au sommet de l'arbre creux pour récupérer le fragment de la lune noire qui nous y attend. Ouais, je pense qu'on va affronter un boss. On m'a dit que ce serait compliqué. Alors, on m'avait dit que le premier boss était le plus difficile du jeu. Mais on m'a dit que celui-ci prendrait du temps. Donc écoutez, on fera ça la prochaine fois. Je sais pas, en fait. J'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie de le faire maintenant. Ouais, puis allez, vous savez quoi? On est fou. Et puis on est parti. Voilà. On va faire le boss aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Luigi, le moment est venu. Il est temps d'ouvrir cette porte et de voir ce qui se cache derrière. L'occultographe a maintenant localisé le fragment de la lune noire avec 99,74% de certitude. Très bien. Tu le trouveras dans la cabane au sommet du grand arbre creux. Nous sommes sur la bonne voie. Tiens, tu auras besoin de la protoclé pour te rendre là-haut. Ok. Utilise la protoclé pour ouvrir la porte dans l'arbre creux, monte dans la cabane, rapporte le fragment de la lune noire et revient en un seul morceau. Ce sera du gâteau. Oh Luigi, une dernière chose. L'occultographe a révélé des signaux inquiétants dans la cabane. Des signaux puissants, très puissants même. Sois très prudent mon garçon. Ok. Bon, j'espère qu'on va s'en sortir et que ce sera pas très long parce que là, je fais le choix de vous faire le boss aujourd'hui. L'épisode risque d'être un peu long, du coup peut-être aussi long que la fois où on a fait le premier boss du jeu, peut-être même plus long. Mais bon, voilà, ça fait assez longtemps qu'on attend de pouvoir pénétrer dans l'arbre creux, du moins dans la cabane, du coup on va y aller, voilà, on n'attend plus. Hop là, au moins il nous téléporte juste devant, ça c'est cool. Oula, il y a un petit bug graphique au niveau de la porte, c'est pas très beau. Hop. On n'aurait pas tout simplement pu brûler la porte, non? Ok. Bon, allez, on sait tous que la porte va se refermer derrière nous. Ah non. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Ok. D'accord. Je comprends pourquoi vous me disiez que je regretterais le fait de vouloir des escaliers. Ok. Trouver le fragment dans la cabane.
Ok. Très bien. Non, attendez, je vais pas devoir affronter des fantômes à chaque fois. Ça veut dire quoi qu'il faut passer par ici? Ici, ça m'avait l'air bon. Ici, je crois que c'était éteint. Mais à partir de là, ça va être dur. Waouh. Ok. Je pense qu'on va galérer. Oh non! On redescend tout en bas. Hop. Ok. Bon, ça va. Si on affronte un seul fantôme à chaque fois, je pense que ça va aller. Pourquoi j'ai pas eu de pièces? C'est quoi cette arnaque? J'ai pas eu d'argent? Ok, ça va être assez long. Là, on est bon. Là, on est bon. Ici, on est bon. Mais à partir de là, waouh. Waouh, 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 waouh. On y croit? Non, on n'y croit pas. Oh non. Oh. Ok. Ok, ok. Ça va être extrêmement long. Ça va être super long de monter jusqu'en haut. On a fait quoi, la moitié là, je crois. Hop. Allez, on essaie de monter le plus vite possible, histoire de voir par quel chemin je peux passer. Alors je préfère passer par là, même si... Ouais bon d'accord, j'ai rien dit. Là, c'est bon. Là, c'était bon. Là, il me semble que c'était bon. Il me semble qu'ici, c'était bon, mais là, j'ai un doute. Ok. On a pas mal progressé, je trouve. Alors par contre... Ok. Bon. Écoutez, je pense qu'on va faire une ellipse. Jusqu'au moment où j'arriverai à atteindre le sommet, parce que ça va clairement pas être intéressant. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Hein. Bon, écoutez, je gravis cet escalier de l'enfer, et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Bien, on se retrouve donc au sommet de cet escalier de l'enfer. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs du jeu pour nous avoir foutu un escalier comme ça. Parce que le plus long n'est pas de le monter, le plus long, c'est de le descendre. Et oui, c'est... Waouh. Plus jamais, s'il vous plaît, un escalier comme ça. Ça n'a pas été trop long. J'ai réussi à plutôt pas mal m'en sortir, mais quand même, faut pas abuser. Alors, du coup, écoutez, après cette mésaventure dans les escaliers, je pense qu'on va affronter le boss. Hop. Ah, mince. Ok, un mur à casser. Ok. Hop. Bien. Ok, un peu de vie pour la fin. Oh! J'aime bien lorsqu'il y a un zoom comme ça sur Luigi, je trouve ça assez stylé. On le voit mieux comme ça, c'est plutôt cool. Hop, ok, du coup on arrive. C'est vraiment très joli, hein, encore une fois. Et encore une fois, c'est très différent de ce qu'on a déjà vu avant. C'est vraiment cool. Je pense que j'arrêterai jamais de le lire. Hop, alors. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah ouais, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Bon, ça sent le boss, mais... On va essayer de s'en sortir. Normalement, il devrait pas être trop compliqué. Ok, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Ouais. Ouais. Mais encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça. Ok, allez, on tire. Ok, très bien. Ah oui, d'accord, alors si en fait le boss c'est seulement ça, effectivement ça va pas être... Si le boss se résume à ça, effectivement ça va pas être bien dur. Mais c'est quoi, c'est un lit? Ok. Ouais, bien comme ça, avec un peu de chance, le boss ne va pas être trop compliqué. Il est spécial. Oh, d'accord, en fait il tire du feu. Ok, si tu veux. Ça doit être pour ça qu'on pouvait pas brûler la porte en fait, c'est que la porte résiste au feu, et oui. Très bien, allez, refais ton saut. Non. Allez, vas-y. Ok, ça va, pour le moment c'est pas dur. Hop, allez, deuxième coup, et ça va être en trois coups je pense.
Une fois de plus. Oh, mince. Mince. Oh. Hop là, bien. Allez, on est parti pour un deuxième coup. Hop là. Parfait. Bon, ça va, là, on s'en sort très très bien. C'est vrai que là, pour le coup, c'est clairement pas dur. Non, mais arrête de faire ça, s'il te plaît. Hop. En fait, tout l'intérêt de, entre guillemets, de ce boss, ça a été l'escalier, j'ai l'impression, parce que là, clairement, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Par esquiver ces boules de feu. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, allez, mange. Mange-moi ce plancher. Et saute. Non. Bon, allez, maintenant tu sautes. Bien. Hop. Ok. Bon, allez, apparemment, c'est le dernier coup. Ça aura clairement pas été long. Hop. Allez. Toi, tu vas rentrer bien sagement à l'intérieur de cet ectoblast, s'il te plaît. Très bien. Ok, en plus, l'ectoblast a un petit peu bugué, ce qui fait que j'ai pu aspirer quelques lingots. Bon, eh bien, écoutez, ça n'a pas été très très long, finalement. Je m'attendais à ce que ça dure bien plus longtemps que ça. En plus, avec la petite ellipse, du coup, je vais pas vous laisser le passage avec l'escalier, parce que c'est... Bon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à vous montrer, finalement, à part le fait que je suis retombé une ou deux fois, et que c'était long. Donc ça, finalement, ça aura pas pris tant de temps que ça, clairement. Je suis content. Je m'attendais à un truc un peu plus compliqué que ça. On s'en sort très bien. On récupère cette gemme et on retourne voir Catastrophe. Voilà, parce que là, c'est bon. On a terminé avec les tours des détours. Et du coup, la prochaine fois, eh bien, on pourra découvrir un nouveau manoir. Et ça, c'est cool. Bien, on récupère notre fragment. Très bien. Et, allô, Catastrophe. Oui, je suis toujours en vie. Luigi, est-ce que ça va? Je ne pensais pas qu'un mange-esprit défendrait ce fragment de la lune noire. Non, bah non. Celui-ci était redoutable, mais tu es parvenu à le vaincre, c'est remarquable. Tu as fait de l'excellent travail, mon garçon. Bref, je suis sûr que tu as apprécié le panorama de là-haut. Mais nous avons encore du travail. Je te ramène au bercail. Tiens bien ta casquette. Redoutable? Voilà, pour le coup, ça va. On est plutôt bien tiré. Je sais pas ce que donneront les prochains boss. J'espère tout de même qu'ils seront un peu plus compliqués. Parce que bon, c'est vrai que là, pour le coup... Bon, pour le coup, voilà quoi. Ce boss, moi. Alors, du coup, on a terminé la mission. Ça a été vraiment rapide pour le coup. On va sûrement avoir un grade 3... Ouais, peut-être. 3 étoiles. Quoique, avec le temps passé dans les escaliers... Eh, hey, grade 3 étoiles en vidéo. Pas mal du tout. On progresse. Et du coup, on retourne voir Catastrophe avec notre petit fragment, ce qui fait que normalement, il nous en manque 3. S'il y a 5 manoirs. Voilà, petite sauvegarde. Alors. Que vas-tu nous dire, Catastrophe? Je pense qu'il va nous parler pendant un petit moment. J'espère que ce sera pas trop long non plus, parce que bon... Si la vidéo pouvait ne pas durer trop longtemps non plus, ce serait bien. Content de te revoir, Luigi. Ne fais pas attention à l'odeur de popcorn qui... T'es sérieux? Non, bah non. Le combat qui t'a opposé à ce mange-esprit était si prenant qu'il a fallu que j'aille en chercher. D'ailleurs, il est grand temps de faire descendre ce mange-esprit dans la chambre forte. Là, au moins, il ne causera plus de problème. C'est vrai que je vous le rappelle, mais dans Luigi's Mansion 1, lorsqu'on rencontre pour la première fois Catastrophe, il est en train de... Enfin... Il est en plein combat contre des fantômes, et il n'y arrive pas du tout. Et il se dit trop vieux pour ça, et finalement c'est vrai que... Bon, on peut pas lui en vouloir. Nouveau fantôme. Ah, il a la classe. Par contre, faudrait me dire pourquoi il est blanc alors que lorsqu'on l'a capturé, il était rouge. Enfin bon. Butin, ouais, pas grand chose. Bon, je pense que la prochaine fois, on se rapprochera fortement des 10 000 pièces. Nouvelle mission déverrouillée, tour des détours, une attaque en règle. D'accord. Je pense qu'on ira... Attendez, tour des détours... Ah, c'est parce qu'on a eu tous les bouts. Bah oui. Très bien. Notons qu'encore une fois, c'était un mange-esprit qui détenait le fragment de la lune noire. C'est intéressant. Cela ne peut pas être une simple coïncidence. Il doit y avoir un rapport entre les mange-esprits et les fragments de la lune noire. Bref, il ne nous reste plus qu'à nettoyer notre nouveau fragment. Très bien. Alors, je vous disais, je pense que je ferai ça à la fin du let's play, les missions bonus des bouts. Je pense que ça peut être intéressant, voilà, un petit épisode bonus, ainsi qu'un petit tour dans la tour hantée, je crois, qu'elle s'appelle comme ça. La tour des défis, ou je ne sais plus, enfin, le mode multijoueur. Et du coup, on débloque un nouveau manoir.
Ça va être cool. Et maintenant, bingo, tu as vu Luigi, le brouillard s'est levé sur une autre région. Ok. Appuyons sur A. Un nouveau lieu rempli de spectres tout près à causer de tas de problèmes nous attend. N'as-tu pas hâte d'être télépixelisé sur place? Oula, je suis vraiment désolé, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Bien. Bon, et bien écoutez, on va se laisser là. Je pense que là, on va avoir le choix. Pendularium. Ça a l'air vraiment sympa pour le coup. Avec bon, apparemment, il y aura des pendules. J'avais pas remarqué, mais sur le... Sur cette image du lieu, comment on pourrait appeler ça? Bon, je ne sais pas. Enfin bref, sur ce point de vue du lieu, on peut voir des fantômes. C'est cool. J'avais pas fait attention. D'ailleurs, il y a quelque chose, une espèce d'île volante. Ah non, c'est... Ok. Autant pour moi, c'est juste le logo du manoir. Très bien. Moi, bien écoutez, les amis, on va se laisser ici. Donc ça va, un combat de boss qui se sera très bien passé pour le coup. J'espère que les prochains seront quand même un peu plus compliqués. Pour l'escalier, bon, voilà, finalement ça n'a pas été si long que ça, mais ça l'a quand même été un tout petit peu. J'espère que cet épisode vous aura plu, encore une fois je m'excuse, je suis un petit peu malade et quand je suis malade, bah, j'arrive plus à parler, voilà, c'est pas de ma faute. En tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu, si c'est le cas, bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à me donner des astuces si vous en avez par rapport au prochain manoir, sans me spoil s'il vous plaît. De toute façon, généralement, lorsqu'il y a du spoil dans les commentaires, vous êtes plutôt mature et vous signalez ces commentaires pour qu'ils disparaissent, tout simplement. Et ça, c'est plutôt cool. Même si moi, je les vois, pour vous, au moins, ça vous gâche pas la surprise si vous ne connaissez pas le jeu. Il reste toujours 3 bouts à aller récupérer dans le premier manoir. Alors, je ferai ça bientôt, je pense. Je devais le faire en live, mais en même temps, je me dis que ce serait pas assez long pour faire un live. En ce qui concerne les lives également, ça attend un petit peu. Je pense que ça arrivera vers la fin du let's play. Là, pour le moment, on essaye d'avancer plutôt correctement. Finalement, ça va. Je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt bien. Enfin, voilà, écoutez bien, d'ici le prochain épisode, moi je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. À bientôt tout le monde.